Mon nom c'est Eric Franzen et je suis le responsable d'une structure qui s'appelle Wallonie-Bruxelles Images, qui est une agence de promotion du cinéma belge francophone, de Wallonie et de Bruxelles, à l'étranger. Et est-ce que vous avez des projets présents à la Berlinale? Alors cette année c'est pauvre, la Berlinale n'est pas vraiment un festival qui suscite chez nos professionnels un grand intérêt. Nos professionnels sont plutôt axés vers, concentrés sur Cannes, et donc on a très peu de films qui sont prêts pour la Berlinale. Donc cette année on a 2 coproductions au Panorama et 4 films au marché. Donc c'est une petite année. Mmh. Est-ce que vous êtes présent dans d'autres festivals en grande région? En grande région, alors ça c'est une bonne question, il faut que je réfléchisse à jusqu'où s'étend la grande région. En Luxembourg, non. En France, alors ça il faut... On a régulièrement des films dans beaucoup de festivals en France, mais avoir une présence particulière et systématique dans un festival de la grande région, à ma connaissance, non. Bah, disons que nous, on essaye d'être présent avant tout sur les festivals qui ont un marché, je dirais. Donc on est présent sur les grands festivals. Les relations transfrontalières sont quand même assez importantes au niveau de la production, en tout cas entre la Wallonie et Bruxelles et le Luxembourg. Beaucoup de films sont coproduits, donc là on travaille beaucoup avec le film Fun Luxembourg. Donc voilà, c'est, je dirais, les relations, elles sont surtout au niveau de la coproduction. Pour la diffusion, je dirais beaucoup moins. Mmh. Cela dit, il faut aussi savoir que quand nos films sortent, quand les sorties en Belgique francophone, la sortie luxembourgeoise est souvent calée dessus, ou alors elle se cale sur la sortie française. Et donc souvent, on essaie d'avoir les sorties des films, que les films sortent en même temps dans les trois pays.